bénéfice du sacrifice. Le carême, c'est 40 jours de sacrifice. En choisissant ce thème, nous voulons dire que jeûner comme Dieu le veut et suivre Jésus sont des affaires rentables, fructueuses, juteuses. En effet, le jour où le jeune homme riche eut du mal à tout laisser pour suivre Jésus, Pierre en profita pour lui poser la question suivante. Voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quelle sera donc notre part? Quelle sera donc notre récompense? C'est la question de Pierre. Nous avons tout laissé pour te suivre. Nous aurons quoi comme dividende? Nous aurons quoi comme bénéfice? Qu'est-ce que nous allons gagner? La réponse du Seigneur ne se fit pas attendre. Il leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, à vous qui m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Matthieu 19, 27 à 29. Ce n'est pas pour rien. Il y a une récompense. Il y a un bénéfice. On ne jeûne pas pour le simple plaisir de jeûner. Alors, il y a des jours, tu vas dire, mais moi j'ai jeûné l'année passée ou les années, je n'ai rien eu. C'est parce que tu jeûnes mal. Tu jeûnes sans objectif. Ou parce que tu es aveugle. Parce que si tu as quand même bien jeûné, même un jour, il y a toujours un bénéfice. Il y a toujours un bénéfice. 2-1. Carême, 40 jours pour suivre Jésus. Carême, 40 jours pour suivre Jésus. Le carême n'est pas le ramadan des chrétiens. Le carême, c'est 40 jours donnés aux disciples du Christ afin qu'ils suivent l'exemple de leur maître qui, au début de son ministère, fut amené au désert par l'esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Matthieu 4, 1 à 2. C'est un temps qui nous est donné, comme disciples, d'imiter l'exemple de notre maître. Notre maître, au début de son ministère, est allé au désert et a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Alors nous aussi, comme disciples de Jésus-Christ, puisqu'il nous demande de le suivre, nous voulons l'imiter. Ce n'est pas le ramadan des chrétiens, le carême. Nous voulons imiter, marcher derrière notre maître. Remarquez que Jésus fut tenté pendant et après son carême. Fut amené au désert par l'esprit pour être tenté. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. C'est quand il a faim, il est d'abord amené au désert pour être tenté. Il fait les 40 jours et 40 nuits et il a faim, le diable vient. Le détail est très important. Cela veut dire que notre combat spirituel ira au-delà des 40 jours. Vous voyez, c'est après quoi il a faim au 40e jour. Il est amené au désert pour être tenté et il a faim au 40e jour. Le combat spirituel, c'est le combat de toute notre vie. Ce n'est pas le combat des 40 jours. Un disciple du Christ, c'est celui qui a compris que le diable le combattra durant et après ses 40 jours du désert. Un chrétien comprend et prend conscience pendant ces 40 jours de la permanence du combat spirituel. C'est ça que l'Église veut nous enseigner. Mes chers frères et sœurs, durant ces 40 jours, prenez conscience de la permanence du combat spirituel. Rends permanent ton combat. N'attends pas les 40 jours de carême. Va au-delà des 40 jours. Et ici, tel que nous sommes, mes bien-aimés, je ne cesse de vous le dire, il y a des gens. Parce que nous sommes différents. Nous venons de familles différentes. Nous avons des combats différents. Alors, il y en a
qui doivent se battre sans répit, sans mi-temps. Il n'y a pas de mi-temps. Oh non, je me repose un peu. Non, il n'y a pas. Sans repos, sans répit, eux doivent continuellement se battre. Il y a des gens, bon, vu la taille du combat, ils peuvent prendre un jour, bon, ils se reposent. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas se reposer. La vie, c'est comme un match de football. Imaginez que vous jouez contre une équipe et que vous menez cette équipe 1-0. Ils peuvent égaliser à tout moment et même ajouter un autre but. Alors quand vous avez 1-0, vous ne devez pas vous reposer. Vous devez rester concentré jusqu'à la dernière minute. Parce qu'ils peuvent marquer à tout moment. Ces tentateurs nommés Satan a une vertu qui nous manque souvent, la persévérance. Battu, il ne s'avouera jamais vaincu. Comme dans le cas de Jésus, lorsqu'il aura épuisé toute tentation, le diable s'éloignera de nous jusqu'au moment favorable. Luc 4, 13. Le diable a une qualité. Il est très persévérant. Il est patient. Il peut dire, je vais le faire tomber dans 5 ans. Il prépare le coup aujourd'hui. Il va petit à petit. Dit, dans 5 ans, il tombera. Dans 5 ans, elle tombera. Même dans 10 ans, il peut programmer ta chute dans 20 ans. Il peut programmer la chute d'une église après un siècle. Il est patient. Il mijote son plan. Il est patient. Suivre Jésus, c'est prendre le chemin du désert pour être tenté par Satan. Et sortir victorieux de cette tentation. Donc, il va au désert pour être tenté. Donc, nous aussi, nous entrons. Jésus est allé au désert pour être tenté. Et au terme de 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et là, le diable vint pour le tenter. Mais il est allé pour être tenté. Donc, le carême aussi, nous entrons au désert pour être tentés. Nous savons bien que nous serons tentés. Nous savons bien que nous aurons soif. Il y a des jours, tu peux rester comme ça, sous ce climat ici. Tu n'as pas soif. Mais pendant le carême, même s'il y a un climat comme ça, tu as soif. Amen. Demande à ton voisin, tu as soif, non? Il y a des moments là, tu n'as même pas faim. Il y a des jours où tu passes comme ça, tu ne manges rien, ça ne te dit rien. Mais, pendant le carême, comme nous le savons, il y a suivre et suivre. On peut suivre Jésus dans la foule. Le carême, c'est le temps où nous voulons toucher Jésus de manière personnelle. Ne le suis pas dans la foule. Parce que tout le monde fait les jeûnes, tout le monde dit je vais faire. Non, suis-le personnellement. Même si tu es dans la foule, cherche à le toucher. La foule le suit, toi touche-le. Il y a suivre et suivre. On peut chercher et suivre Jésus juste pour la nourriture qui périt. Jean 6, 27. Dans ce cas, Jésus est très dur envers nous. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jean 6, 26. Le carême, c'est le temps où nous devons faire de la suite du Christ un jeûne supérieur dont l'hymne est « Sans te voir, nous t'aimons, sans te voir, nous croyons et nous exultons de joie. Sûr que tu nous sauves, nous croyons en toi. » C'est ce que fit Lévi. Il était assis au bureau de douane. Il avait donc un bon emploi. Mais lorsque le Seigneur l'appela, il fit un jeûne supérieur. Il fit le sacrifice qui est toujours suivi du bénéfice. Il quitta tout, s'éleva et le suivit. Pourquoi avait-il agi ainsi? Et avec une telle spontanéité, parce qu'il avait l'appel, parce qu'il avait la vocation, avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu, avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré comme prophète des nations, je t'ai établi. Jérémie 1, 15. Quand tu as l'appel, il suffit d'un petit rien et tu te réveilles. Pourquoi est-ce que Lévi s'est levé et a suivi Jésus sans difficulté? Parce qu'il croyait aux dividendes spirituels.
il avait en effet les yeux fixés sur la récompense. Hébreux 11, 26. Ah, Jésus m'appelle. Mais Jésus ne peut pas m'appeler comme ça. Non, non, non. Il y a une récompense attachée à la réponse à cet appel. On peut suivre Jésus de loin. Le carême, c'est le temps où, avec l'aide du Seigneur, nous nous décidons à suivre de près le Seigneur. Ne le suivons pas dans la foule, ne le suivons pas de loin, mais suivons-le personnellement, touchons-le et suivons-le de près. Ne le suivons pas pour ce qu'il offre, mais suivons-le pour ce qu'il est. Pas pour manger, je ne te suis pas pour manger, je te suis pour ce que tu es. Donc, le carême est le temps où nous suivons le Christ. Suis le Christ. Tu dois sentir une relation beaucoup plus personnelle avec le Christ. C'est le temps où tu lui parles, le temps où tu l'écoutes, le temps où il te devient très proche. C'est ça le carême. Pas le temps où je ne mange pas. Pas le temps où je ne bois pas de l'eau. Pas le temps où je dors sur la dure. Le temps où je suis le Christ. Suivre le Christ. Voilà l'objectif. C'est pas oh je... Non, non. Suivre, sentir que le Christ est plus proche de moi. Le carême, c'est comme je laisse tout. Hein? Parfois, nous avons des gens, tu lui parles et lui est au téléphone. Ça vous arrive, hein? Tu parles à quelqu'un, mais lui est en train de naviguer sous ton... Ça vous fait quoi? Ça fait mal, hein? La même chose. Dieu veut que pendant le carême, nous laissions tout pour l'écouter. Qu'il sente que nous avons, nous sommes sacrifiés. Nous, hein, nous avons. Non, non, je laisse ça. Je vais d'abord te suivre. Je prends d'abord le téléphone et je dépose là-bas. Je le suis. C'est ça. C'est pourquoi on parle de télévision. C'est pour l'écouter. Parce qu'il y a des gens ici. Hein, si tu n'as pas d'abonnement canal, il faut payer pendant le carême. Et ne pas suivre. L'abonnement est là, mais tu ne suis pas. C'est des gens qui disent, non, comme c'est le carême, je ne m'abonne même pas. Abonne-toi et ne suis pas. Je mets ça de côté pour suivre le Christ. Je veux d'abord l'écouter. Je veux d'abord me taire. Je veux garder silence. Je veux l'entendre me parler. C'est le carême. Je veux écouter la parole de Dieu autrement. Quand nous jeûnons pour imiter Jésus, qui au début de son ministère, lui qui est pourtant Dieu, a ressenti le besoin de rester un peu plus longtemps en la présence de son Père, dans la solitude, dans le détachement, le renoncement à toutes choses. Alors nous voulons suivre le Christ. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile à Lévi, suis-moi. Alors je vous dis maintenant, le carême, c'est le temps où nous suivons Jésus. Jésus qui a fait quoi? Qui est allé au désert jeûner pendant 40 jours.